Si fa presto a dire champagne, in realtà oggi il panorama dello champagne è molto variegato. Piccoli vigneron, grandi maison appartenenti a gruppi multinazionali e poche maison che invece appartengono ancora alle famiglie d'origine. Boulanger è sicuramente tra queste ultime. Il est vrai que Boulanger n'est ni un vigneron, ni une grande maison multinationale. Nous sommes un petit peu à la frontière. C'est-à-dire que nous sommes en réalité à la fois un vigneron avec un côté très authentique. Nous possédons beaucoup d'hectares de raisins. À peu près 60-65% de notre approvisionnement vient de notre propre vignoble. Donc un côté très ancré dans le terroir. D'ailleurs, nous sommes reconnus par les vignerons comme étant un des leurs. Et de l'autre côté, nous sommes également une marque internationale. Nous sommes présents, distribués dans plus de 120 pays du monde entier, avec une marque très connue. Très connue, très appréciée par les grands amateurs de vin, très soutenue par les journalistes en général. Et bien évidemment, nous sommes le champagne de James Bond et de la reine d'Angleterre. Alors, ça donne un côté très réel à la marque Bollinger, très international, mais c'est un peu le double casquette. Voilà, vigneron authentique et marque internationale. En tout cas, nous sommes une petite maison. Effectivement, à l'inverse de la plupart des marques qui appartiennent à des groupes multinationaux et qui sont cotées à la bourse, Bollinger est une toute petite maison car nous représentons moins de 1% de la production de la Champagne. Oggi viviamo in un momento internazionale, almeno per quello che riguarda i mercati di crisi. Ci sono settori che subiscono molto la crisi, altri settori che paiono, o almeno alcuni beni che paiono invece vivere un momento ancora più florido. Lo champagne pare proprio non conoscere crisi. Quand on regarde l'histoire de la Champagne et les différentes crises, les chocs pétroliers, 1973, 1979, la première guerre en Irak, 1991, le millénium, le passage au nouveau siècle avec les stocks en Champagne, la Champagne a traversé des crises, mais à chaque fois, la Champagne s'est relevée et a avancé. Une des forces de la région, de l'appellation d'origine contrôlée Champagne, c'est que nous avons une production qui est limitée. La surface de l'appellation Champagne aujourd'hui, c'est 35 000 hectares. Et nous sommes arrivés au maximum de la production possible. C'est pour ça qu'il y a des discussions d'ailleurs sur les critères d'élargissement ou de révision de l'aire d'appellation. Tout ceci étant en discussion actuellement. Donc, oui, la Champagne a connu des crises. Oui, la Champagne s'en est toujours relevée, grâce à des critères de gestion très fortes et notamment une très bonne entente très cordiale entre les marques, les négociants et les vignerons, sous le contrôle du comité interprofessionnel du vin de Champagne, le CIVC. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une crise très dure, une crise financière très dure, avec un effondrement des bourses dans le monde entier. En même temps, je crois que les marques de luxe, les vraies marques de grand luxe, ne se sont jamais aussi bien portées. Je crois que Ferrari, Aston Martin, John Lobb vendent des produits toujours aussi chers, car il est vrai que dans le monde entier, il y a de plus en plus de gens fortunés. La question est de savoir, pour une marque comme Bollinger, nous sommes une marque très authentique. Bollinger, nous ne sommes pas une maison qui veut profiter des situations de richesse pure. Nous sommes une marque, nous sommes d'abord un vin. Ok, nous sommes du champagne, mais nous sommes un grand vin et nous voulons que ce vin soit dégusté par les gens qui aiment les bons produits. Pas forcément les Golden Boys de la City à Londres ou à New York, mais aussi par des gens de la vie ordinaire qui, une fois de temps en temps, veulent se payer une très belle bouteille de vin. Et Bollinger, nous sommes là pour ce plaisir. Alors, je pense que dans les temps qui vont venir, nous avons une marque qui est bien équipée pour résister le mieux possible à la crise. Parce que quand les temps sont difficiles, les consommateurs se rapprochent de l'authenticité et de la vérité. Et je crois que Bollinger, nous sommes connus pour être une maison honnête, qui fabriquons et qui élevons des vins de grande qualité. Et nous récupérerons certainement des consommateurs qui achetaient des produits de très très grand luxe, qui peut-être consommeront une bouteille de Bollinger à la place d'autres marques. Et nous perdrons aussi certains consommateurs qui ne peuvent plus se payer Bollinger. Mais globalement, nous voulons garder notre cap. Nous restons authentiques, nous marchons, nous traçons notre destinée. Nous sommes en train de travailler sur un plan à 10 ans, donc nettement après la crise, et nous faisons les investissements en conséquence.
Donc pour Bollinger, voilà, nous entrons dans une période difficile, mais je pense que, comme on dit en anglais, when times get difficult, people go back to church. Autrement dit, les marques références, les marques repères, c'est le cas de Bollinger. Allora, visto che abbiamo parlato di alcune città del mondo, di alcuni mercati, un borsino di quelli che sono i mercati più importanti in questo momento, non solo per Bollinger, ma per lo champagne in generale. Ecco, quali sono i paesi di riferimento? Alors, il est clair que le marché britannique est depuis maintenant 10 ans, de très loin, le premier marché pour la champagne en général. C'est également le premier marché pour Bollinger. La France, curieusement, qui représente à peu près 60% du marché total du champagne, pour Bollinger, ne représente que 12 ou 13%. Ce n'est pas une volonté de limiter la France à un niveau bas, c'est simplement, cela correspond simplement au fait que Bollinger est une marque qui a été très longtemps, depuis très très longtemps, présente à l'international. Nous sommes sous allocation, avec des quantités disponibles limitées pour certains pays, pour l'ensemble des pays, et donc nous ne pouvons que nous développer lentement, puisque chez Bollinger, il faut à peu près 5 ans entre le moment où nous élaborons une bouteille et le moment où nous la mettons sur le marché. Donc on ne peut pas vendre demain des bouteilles que nous n'avons pas produites il y a 5 ans. En ce qui concerne les autres pays, le marché italien pour nous est très important. C'est un des grands marchés du champagne, je crois que c'est le 6e marché du champagne. Pour Bollinger, il est en train de devenir le 3e marché. Alors ça correspond à beaucoup d'éléments, beaucoup de critères. D'abord, un marché qui est un producteur de vin. En Italie, vous produisez de très très grands vins. On ne compare pas les vins italiens et les vins français. Ils sont différents, ils ont un style, ils ont une personnalité. Et vous produisez de très grands vins, blancs et rouges. Tout le monde sait ça. Et vous produisez également de très bons vins effervescents. Il y a aussi une grande tradition gastronomique en Italie. Vous avez une cuisine magnifique, très variée, très, très différente, très séductrice. Et je crois que ça correspond bien avec l'image de la Champagne. Et puis vous êtes un pays, vous aimez faire la fête, les Italiens. Je crois que les Français, les Italiens, les Espagnols, nous sommes assez proches, nous aimons bien la vie, nous aimons bien faire la fête. Donc tous les éléments sont réunis pour que le marché du Champagne en Italie soit un grand marché. Alors il se trouve que pour Bollinger, le côté gastronomie italienne est très important pour nous parce que nous sommes avant tout des vins de repas. Bien évidemment, il est très agréable de déguster une flûte de Bollinger assis dans un sofa en répondant à quelques questions, mais le vrai plaisir de Bollinger, c'est à table. Et la cuisine italienne en particulier séduit bien les plats de Bollinger. Le dernier élément, bien sûr, c'est l'organisation du marché. Et vous avez beaucoup encore en Italie de cavistes traditionnels, des enoteca, beaucoup de restaurants, beaucoup de bars à vin, beaucoup de pasticceria où on vend du champagne. Et nous avons en Italie un distributeur qui a bien compris les caractéristiques du marché et qui fait, c'est le cas de Merigali, qui fait un très très bon travail d'implantation de Bollinger dans toutes les belles tables de la restauration, dans tous les bons bars à vin, dans toutes les œnothèques, dans les beaux hôtels. Et voilà, nous avons donc le partenaire idéal. Et c'est, je crois, avec les critères que j'évoquais précédemment, c'est le secret de l'équation parfaite pour Bollinger en Italie.